Le végétal ne se cantonne plus ni au jardin ni à la campagne. Il investit notre habitat sous les formes les plus diverses et fleurit de plus en plus dans le milieu urbain. Jardin partagé, guérilla gardening, Jardine s'intéresse à tout ce qui permet au végétal de regagner sur le béton. Grâce aux techniques innovantes comme l'hydroponie, la culture verticale ou sous lumière artificielle, Jardine défriche pour vous les voies du jardinage sans jardin. L'activité des jardins de Babylone, ça consiste en la végétalisation de certains lieux. Végétaliser des bâtiments, du parement végétal et aussi du mur végétal. Le design végétal, c'est de mélanger design et plantes. Donc ça peut être aussi bien un objet végétalisé, comme une chaise, une table, un lustre végétal, ou ça peut être aussi vraiment cette histoire de scénographie végétale. La place du végétal dans le milieu urbain devient vraiment intéressante dans le sens où les gens s'approprient le végétal. Je pense aussi aux jardins partagés en ville. On voit de plus en plus de jardins potagers où les gens viennent tout simplement végétaliser des bouts de terrain. Les gens s'approprient les espaces pour les végétaliser. C'est là que ça devient intéressant. Depuis le milieu des années 90, les amateurs de jardinage d'intérieur, et plus généralement de jardinage innovant, ont vu la pratique de leur passion grandement facilitée par l'apparition de boutiques spécialisées. Elles sont devenues le rendez-vous des experts et la caverne d'Ali Baba de la culture verticale, sous lumière artificielle, hydroponique, pour cultiver tomates, orchidées ou autres plantes rares et exotiques. In Bristol, where we come from, they plant in the garden pots along the streets in Bristol. Je jardine depuis le début des années 90. Sur mon balcon, moi je fais pousser, j'ai une vigne déjà. Jardin. Oh, alors je voulais particulièrement vous parler de ce petit ouvrage. La clématite, un jasmin grimpant. In Jamaica, lots of people. You know, are fed from the land, which we should be doing more of in Jamaica. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un petit jardin en ville. J'ai des plantes chez moi. Make the place look more more vibrant, more uplifted. Dans mon quartier, s'il y a des endroits qui sont un peu laissés en friche, on peut jeter comme ça négligemment des choses et puis on peut voir si à l'arrivée des beaux jours, ça fait des belles surprises. Pas la main verte, mais je connais un petit peu. My mother and my father, I grew up around them, you know, planting, gardening outside. The whole house, you know, was full of flowers and also food. Aéro, hydro. Grâce à ce magazine, on peut savoir comment réaliser ces boutures. Les sujets sont toujours assez précis et surtout super adaptés aux problèmes que l'on peut rencontrer tous les jours. Jardin. 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 Hein? Jardin magazine.